Magie vous présente l'émission culinaire Cordon Bleu TV. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver et de continuer de célébrer les fêtes avec vous. Alors aujourd'hui au menu, il y a une sauce au lait de coco. Vous êtes prêts? Allez, venez, c'est parti! Pour cette recette, il nous faut du lait de coco, de la viande de bœuf, de la tomate concentrée, de l'ail, du poivre, de l'oignon, du piment, un chou et pour l'assaisonnement, un Maggi tablette et un Maggi mouton tomate. On commence d'abord par faire revenir l'oignon et l'ail émincés à feu doux pendant 10 minutes. Après les 10 minutes, il faut ajouter les morceaux de viande de bœuf. Une cuillère à café de tomates concentrées. Et pour donner de la saveur à notre viande, on va l'assaisonner avec notre Maggi mouton tomate. Un peu de poivre. On mélange bien et on laisse cuire 5 minutes. Ça sent déjà très bon. On va mouiller avec 1 litre d'eau et laisser poursuivre la cuisson pendant 20 minutes. Mes 20 minutes sont passées. Je vais maintenant ajouter à ma sauce le chou émincé, le piment et le lait de coco. On n'oublie pas d'assaisonner avec un Maggi tablette. On mélange bien le tout. On va goûter. C'est délicieux. Ce mélange Maggi tablette, Maggi mouton, ça marche. On laisse mijoter 15 minutes et on passe au dressage. Pour faire une sauce au lait de coco pour 6 personnes, il nous faut un demi-litre de lait de coco, 1 kg de viande de bœuf, une cuillère à café de tomates concentrées, 2 éclats d'ail, une cuillère à soupe de poivre, 2 oignons, 2 piments, un chou, un Maggi tablette et un Maggi mouton tomate. Savez-vous que le fer réduit les risques d'anémie et la sensation de fatigue? On trouve le fer dans la viande, le poisson et les sauces feuilles. Et maintenant, votre Maggi tablette aussi contient du fer. Et il garde toujours son même bon goût. Maggi. Nestlé, good food, good life. Vous avez acheté une poêle et vous ne voulez pas qu'elle attache? Eh bien, avant d'y faire cuire vos aliments, faites bouillir du vinaigre dedans. Une bonne sauce au lait de coco que vous pouvez déguster avec des pâtes ou du riz. Je vous souhaite un excellent appétit et n'oubliez pas, demain la fête continue avec Cordon Bleu TV. Maggi vous a présenté l'émission culinaire Cordon Bleu TV.